rentrée. Je vais pas parler plus longtemps parce que voilà, ma tête elle est pas dingue et tout ça. 8, je crois, petite tenue pour la rentrée que je trouvais sympa. Et bah écoutez, c'est parti. Première tenue, j'espère que vous voyez bien. Tenue ultra chill, ultra basique pour du coup aller en cours. Ça par exemple, pour aller en CM, vous pouvez mettre vos jambes n'importe comment, ça c'est parfait. Donc en fait, je porte cette petite sacoche qui vient de chez Zafoul que j'utilise tout le temps depuis super longtemps. Mon chapeau vient de chez Paul & Beer, ça donne un petit côté un petit peu plus classe à la tenue. Sachant que là, je suis en mode dans une matière. Cette combi qui vient de chez Paul & Beer, elle est hyper agréable, j'aime bien la forme. Je trouve qu'elle est quand même assez classe. Mais en même temps, c'est dans une matière qui est vraiment très 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 chill. Une couleur pareil qui fait très très chill. Et ces petites slip-on comme ça qui viennent de chez H&M, pareil, j'ai l'impression d'être en chaussons. Donc cette tenue, vraiment, c'est chaussons parfait pour aller en cours, pour faire une grosse journée de cours, on a envie d'être tranquille. Donc là, il fait peut-être un petit peu chaud avec 30 degrés pour mettre cette tenue. Mais voilà, dès qu'il va commencer à faire dans les 25-20 degrés, ça va être parfait. Vous pouvez rajouter une veste, par exemple, là, moi, je mettrais bien une grosse veste en jean. Du coup, petite sacoche pour tous les trucs importants pour les cours. Et petit tote bag pour les cahiers, l'ordinateur, voilà, tous les trucs un petit peu plus spécialement courts. Mais voilà, j'espère que cette petite tenue vous plaît, on va passer à la seconde. Donc prochaine tenue, c'est celle-ci, j'espère que vous voyez plutôt bien. Donc ça c'est une tenue que j'imagine parfaitement au cinéma pour aller en cours, parce qu'on est hyper bien, hyper tranquille, tout ça. C'est vrai que j'aurais pas forcément mis cette tenue pour aller au lycée, mais pour la fac, les études sup, tout ça, ça passe crème. Donc voilà, cette tenue pour aller aussi en cours, mais aussi pour sortir le week-end, pour sortir le soir, aller boire un coup, tout ça. Les températures vont un peu se refroidir, mais il fera quand même toujours un petit peu chaud. Donc ça c'est la tenue parfaite, je trouve, parce que j'ai quand même les pieds à l'air. Cette robe, elle est manche courte, donc voilà, je trouve que c'est parfait pour quand les températures commencent à se refroidir, mais qu'il fait pas non plus hiver quoi. Et donc voilà, donc chapeau de chez Paul & Beer comme avant, la veste, c'est une veste en simili-cuir de chez Zara. Robe Paul & Beer que j'ai payé 20€, je vous l'ai présenté dans un weekly vlog. Et des petites chaussures comme ça à clous qui viennent genre d'un magasin chinois que j'avais acheté à Marseille. Et mon sac Louis Jo qui est parfait pour les cours. En plus un petit peu bohème tout ça dans un style hyper sympa que j'aime beaucoup. Et surtout ultra 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 confo. Prochaine tenue, donc voilà, là je vous montre le short, mais en réalité là il est sale, il faudrait que je le lave, tout ça, là il a fait des plis, il est complètement desserré, tout ça, vous connaissez les shorts en cuir, là je vais le laver juste après, donc il sera mieux, en réalité il est un petit peu plus moulant, surtout beaucoup plus lisse, tout ça. Mais bref, c'est pour montrer ce type de tenue, j'aime bien ce type de tenue, où en fait on mélange plusieurs styles différents, autant avec cette blouse, du coup c'est vachement classe, tout ça, dans une matière assez fine, tout ça, donc elle vient de chez H&M, je vous l'ai présenté, je l'avais 15€ dans un haul. Ce short comme ça qui vient de chez Zara, je l'aime bien, il coûte seulement 20€. Et en fait il est hyper pratique parce qu'il est hyper modulable en fait au niveau de la longueur. Vous pouvez aussi bien ne rien plier du tout et donc ça fait vraiment une sorte de bermuda. Plier un petit peu comme là j'ai fait, faire un ourlet, deux ourlets. Voilà, il est complètement modulable. Donc voilà, moi je trouve que là il fait pas du tout choquant ni rien pour aller en cours parce qu'au final il est vachement long. Aussi bien sur le devant que sur le derrière, c'est pas du tout choquant ni rien et j'aime bien, ça ramène toujours un petit peu d'été dans cette rentrée. Et j'ai mis des bottes comme ça un petit peu en mode voilà, grunge, tout ça. Une paire de lunettes, je trouve que dans cette tenue ça passe plutôt crème. Et un sac, voilà, et donc là le sac j'ai voulu qu'il change un petit peu de couleur, ça va être plus sympa. Donc c'est un sac qu'on peut aussi bien porter comme ça, donc c'est bien de porter comme ça. C'est le Sabrina de chez Camille, ou alors voilà, ou comme ça, enfin voilà, vous pouvez le porter n'importe comment. Prochaine tenue, pareil, cette tenue là, il faut que j'aille la laver là, du coup c'est tout froissé, tout ça, mais bref, on s'en fout. Tenue, je sais pas si je voulais pas déjà présenter cette tenue, vraiment très 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 semblable à cette tenue, mais je l'aime tellement que voilà, j'adore. Donc en fait, cette combi comme ça, hyper large, tout ça, vient de chez Zafoul, je l'adore, mais vraiment quand je dis je l'adore, c'est genre je l'aime d'amour, elle est tellement confortable, elle est trop 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 sympa. Hyper large, pareil. Moi j'adore pour aller en cours avoir des trucs hyper larges. De manière générale, j'adore parce qu'au moins c'est hyper confortable. Mais on remonte un petit peu le style avec ce top comme ça qui vient de chez Primark qui est transparent en plus. Donc ça donne voilà un petit peps en plus. Donc ça j'aime bien. Une paire de baskets comme ça qui vient de chez Zara. Qu'il faut d'ailleurs que je lave aussi. Elles sont plus très très blanches. Mais bref, voilà. Un petit tote bag, pareil avec ce type de tenue. J'aime pas avoir un vrai sac à main. J'aime bien voilà, faire un petit sacoche, un petit tote bag. Du coup, petit tote bag comme ça qui vient de chez. Enfin, c'est le tote bag de mon école pour mettre pareil les cours, tout ça. Et ce sac comme ça qui vient en fait d'une petite boutique de plage à Narbonne. C'est Queen Bee.
Et voilà, c'est une imitation un petit peu mage, mais voilà, pour 40€, moi je l'aime beaucoup. Voilà, de toute façon, je pense que je vous parlerai un petit peu des sacs que j'aimerais m'acheter. Le mage n'en fait pas partie, mais il y a des sacs que j'aimerais beaucoup m'acheter. Je sais pas pourquoi pas faire une wishlist ou quoi, ça pourrait être sympa si ça m'intéresse. Mais voilà, du coup, petite tenue, je sais pas ce que vous en pensez. Avec des lunettes, tout ça, mais c'est vrai qu'un chapeau passe aussi, une casquette, des lunettes de soleil, il y a tout qui passe là. J'aime beaucoup, beaucoup cette tenue, elle est très, très, très confortable, très agréable et surtout super pour les cours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc prochaine tenue, je pense que vous, voilà, comme je le dis, vous commencez à bien me connaître. Moi ce que j'aime c'est pas du tout les trucs sexy, pas du tout les trucs moulants, pas du tout les trucs décolletés. Tout ça je le réserve vraiment pour le soir quand je veux sortir, tout ça, pour aller au restaurant, pour tous les trucs comme ça. Les petits trucs un peu moulants, un peu décolletés, tous les trucs ça. Par contre pour aller en cours, pour moi le but c'est d'être vraiment confortable de toute la journée. Vous savez moi j'adore en fait, j'ai fait de la danse donc je suis souple. En fait j'adore vraiment dans les cours enlever mes jambes, des trucs comme ça. Et donc je peux pas être avec une jupe ultra moulante, pas confortable ni rien. Surtout que nous en archi on va s'asseoir partout, on va marcher dans la rue, on va s'asseoir par terre pour dessiner, pour machin, donc c'était pas dans un truc confortable mais laisse tomber. Et donc voilà, ça c'est le type de tenue pareil que j'aime bien. Voilà, il n'y a aucune forme mais c'est vrai que j'aime bien, voilà, je sais pas, je suis bien. J'ai un t-shirt, il vient de chez Zara, il est d'ailleurs toujours en vente, ça fait un moment que je l'ai acheté, il est à 12€ et il est toujours en vente et je l'ai acheté d'ailleurs moi du coup en noir et en camel un petit peu café. Ce pantalon pareil, toujours, il vient de chez Zara, d'habitude je le porte plutôt avec un petit top moulant sur le haut tout ça, mais voilà, là j'ai envie de tester avec ça et bah, finalement j'aime plutôt bien ça. Voilà, pour une journée de cours, genre j'y cours que le matin, c'est parfait. Comme ça après je me lève, je mets mon truc, je change et moi l'après-midi je reste tranquille. Mon sac, toujours le Louis Jo que j'aime beaucoup et je trouve que là dans la tenue il passe bien, il rend un petit peu ça un petit peu plus classe. Et voilà, ce type de tenue, j'avais pas envie de mettre un truc fermé en bas, j'avais envie d'un truc ouvert, un petit peu aérien, tout ça plus léger. Et donc j'ai mis ces petites chaussures comme ça blanches, qui est un magasin chinois à Marseille. Et voilà, vraiment ça c'est vraiment chill au max, j'adore, je vais me chercher mon petit café. Et là je suis dans mon bus avec mon livre, mon café, tout ça, je suis au top. Et je sais aussi que du coup ça peut me grossir, hein, ça ne m'affine pas du tout. En plus ça me grossit, écoutez, moi je sais comme je suis. Et voilà, et aussi je m'excuse du coup parce que rien n'est repassé, en fait tout était dans ma valise. Je suis à peine arrivée à Toulouse, donc en fait j'avais ramené toutes mes affaires dans ma valise et donc ceci explique cela. Prochaine tenue, j'espère que vous me voyez bien, j'ai un petit peu modifié l'angle de la caméra. Donc pareil, tenue qui est parfaite pour cette mi-saison parce qu'elle donne pas trop chaud mais elle donne pas trop froid. Après en veste, je mettrais peut-être un blazer, une veste beige, quelque chose qui changerait de couleur. Pourquoi peut-être pas même une veste en jean, je sais pas trop. Mais pas une veste noire en cuir par exemple. Voilà, donc tenue, pareil je mets le chapeau pour faire dans le style bohémien. Petites bottes comme ça qui viennent de chez André que j'ai acheté il y a hyper longtemps. Mais qui sont basiques et qui passent avec tout, j'aime bien, ça passe aussi bien avec des pantalons que avec tout. Cette jupe comme ça qui vient de chez Bershka, je vous l'avais déjà présentée dans un dernier haul, je l'aime bien, elle est super sympa à porter avec un t-shirt rock, j'aime beaucoup avec un t-shirt dans ce style là, j'aime beaucoup. Et à mon avis pareil, j'aimerais beaucoup aussi avec genre un gros pull, ça pourrait faire super sympa. Au niveau du t-shirt en fait j'ai perdu tous mes t-shirts rock, donc c'est vrai qu'à la base j'aurais mis un t-shirt voilà, vraiment avec des broutilles, des trucs comme ça. Mais je les ai perdus, c'est un petit peu dommage. Du coup là j'ai juste mis un t-shirt blanc assez basique, un peu oversize comme ça qui vient de chez Primark et j'ai fait un petit nœud. Et voilà, je trouve que ça va me tenir assez basique. Pareil, mon petit sac à main qui change un petit peu des couleurs. Et voilà, après j'aime bien. C'est pareil, hyper confortable et plutôt sympa. Et là c'est un petit peu plus féminin pour ceux qui préfèrent ce type de tenue. Donc avant d'avoir tenu ça, à mon avis c'est typiquement une tenue dans laquelle vous m'avez déjà vu, je vous ai déjà présenté tout ça, tout simplement parce que c'est le type de tenue ultra basique que je porte tout le temps. C'est pour ça que là j'ai voulu vous présenter un petit peu des tenues différentes dans ce haul, mais bon, qui sont pas si différentes que ça, dans ce lookbook, mais bon, qui sont pas si différentes que ça les tenues. Mais voilà, là c'est vraiment typiquement, je vous avoue que moi une petite blouse toute mignonne avec un bas un petit peu plus rock, genre un bas en cuir ou alors un bas à motif, tout ça c'est typiquement genre de tenue que je porte. Une paire de baskets blanches, donc voilà, typique, et un petit blazer par-dessus que je porte. Ça c'est typiquement le genre de tenue dans laquelle je suis hyper à l'aise, dans laquelle je me sens mise en valeur et également que j'adore porter, bah voilà, aussi bien. Là par exemple, mettons, j'ai une journée où voilà, il faut que je sois quand même assez tranquille, mais le soir après, par exemple, j'ai prévu quelque chose de sympa. Et bien ça, c'est typiquement le genre de tenue que je mets parce que ça va passer aussi bien pour la journée que pour le soir. Donc ce petit shirt en cuir, il vient de chez Zara. D'ailleurs, ils en ont sorti un nouveau, je vous montrerai bientôt, et je l'ai acheté également, je vous montrerai bientôt mon haul sort dans la semaine. Cette petite blouse comme ça qui vient de chez H&M que j'aime beaucoup. Basket Adidas.
blazer comme ça un petit peu délavé que j'adore la forme, etc. vient de chez H&M. Et typiquement ce genre de tenue pour aller en cours, pour essayer de rendre le truc un petit peu moins pas trop classe tout ça, je porterai avec un tote bag qui cassera un petit peu le truc et il y arrivera le blanc des chaussures. Et voilà, je vous montrerai sans blazer. Dernière tenue, en plus c'est le soleil qui rentre dans l'appartement et dites-vous que j'ai pas encore ouvert le Velux, donc je sais pas si je vais l'ouvrir, je pense qu'il y avait beaucoup trop chaud si je l'ouvre. Mais bref, dernière tenue, là j'ai voulu faire quelque chose d'ultra basique pour vous rappeler que pour la rentrée le but c'est d'être vraiment bien, on s'en fout, faut pas faire des liaisons, faut être vraiment dans une tenue dans laquelle vous savez que vous êtes confortable et dans laquelle voilà vous connaissez, vous savez que vous aimez bien tout ça. Et moi ça c'est typiquement dans cette petite robe comme ça qui vient de chez Zara que j'avais acheté l'an dernier, kaki comme ça dans cette matière qui tient pas spécialement chaud je trouve pour le coup la matière. Là l'avantage c'est que vous pouvez ouvrir ou non les boutons, il y a des petites dorures. Cette robe là ils l'ont fait dans plusieurs couleurs tout au long de l'année, je sais même pas s'ils ont pas encore ce modèle, mais du coup kaki comme ça moi je l'adore, elle est hyper confort et ça tire moi avec une paire de baskets assez basiques genre des Stan Smith ou celle-ci par exemple de chez Adidas. Une petite sacoche comme ça, voilà, ça c'est parfait. Typiquement, moi je m'habillerai peut-être comme ça aujourd'hui parce que moi je suis hyper calée, hyper à l'aise. Voilà, franchement, ça j'aime beaucoup, une paire de lunettes de vue pour donner un petit truc un petit peu. Voilà, et sinon, voilà, c'est une ultra basique, mais voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des milliers de dessins pour être sympa le jour de la rentrée. Le but c'est d'être bien pour pouvoir être soi-même. Si vous n'êtes pas vous-même, ça ne sert à rien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Au cas où vous vous rappelez pas, je suis dans un challenge de 7 jours, 7 vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu tout ça. Restez cool pour les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt. On se retrouve demain, du coup, pour la prochaine vidéo. Bisous.